J'ai honte de venir vous montrer cette perruque, mais il faut que je vous la montre. Je suis sûre que je ne suis pas la seule personne, ok, qui met ses perruques dans un sac quand elle a fini de les utiliser. Non, non, non. Quand je me fais des mèches, j'ai plus besoin de cette perruque, je le mets directement dans le sac. Et toutes mes autres perruques aussi. Mais regardez, celui-là, elle a vécu. Ça fait presque 2 ans que je les ai. Ok, je les lave plusieurs fois. Et là, mais là, c'est rendu une catastrophe. Regardez, catastrophe. Vous voyez bien ce que je vois. Donc là, il est temps de lui redonner la vie. Il est vraiment temps de lui redonner la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous voulez voir comment est-ce que je passe de cette perruque-là à celui-là, restez là. Tout d'abord, je vais prendre mon shampoing. Je le mets sur une brosse à dents. Puis, je viens frotter la partie en dentelle de la perruque. J'ai bien répété, la partie en dentelle, c'est cette partie-là où vous mettez de la colle. Vous savez, le got-to-be, le fond de teint et tout ça. Parce que si vous le faites à la main, vous risquez d'arracher vos baby hairs. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas les cheveux arrachés en avant, non. Alors, allez délicatement avec votre brosse à dents. Puis, par la suite, vous pouvez prendre votre shampoing pour laver la totalité de votre perruque, ok? Prendre n'importe quel shampoing que vous avez en main. Ok, moi je prends celui-là parce que celui-là je l'utilise pour mes perruques et tout parce que je ne peux pas l'utiliser sur mes vrais cheveux, you know. Donc celui-là elle est vraiment parfaite pour moi. C'est le shampoing de chez L'Oréal, si vous voulez savoir. Ouais. Donc je lave la totalité de mes cheveux avec. Ensuite je viens le rincer. Puis par la suite je viens appliquer un conditionneur. Donc dès que j'applique le conditionneur, je viens démêler le tout avec la main et la peigne et tout, et le peigne et tout ça. J'utilise ma main, j'utilise le peigne, tu vois, je fais démêler tout parce que après, si je le démêle pas ici maintenant, par la suite ça va devenir une catastrophe. Genre je vais commencer à démêler et je vais pas finir ça. Donc, vaut mieux le démêler tout de suite que vous avez mis le conditionneur dessus. Vous le démêlez. En fait, comme vos vrais cheveux là, quand vous lavez les cheveux tout, vous mettez votre conditionneur, vous le démêlez. Donc, ça m'a pris quelques temps pour le démêler. Mais par la suite là, je vous conseille de le faire comme ça. Par la suite là, ça a été une bénédiction. Donc, vraiment, démêlez vos cheveux comme ça. Une fois que j'ai fini de démêler la totalité de la perruque, ok, là je viens le mettre dans mon ziploc et j'enlève toute l'air du ziploc. En fait, j'enlève le maximum que je peux. Vous voyez, par la suite, je vais aller le faire bouillir. Oui, oui, vous avez bien entendu, le faire bouillir. Ok, en attendant, je vais vous montrer quand j'ai démêlé la quantité de cheveux que j'ai perdu. C'est pas beaucoup, voilà, c'est tout. Donc, la direction. Au feu. Donc là je le fais bouillir comme 45 minutes à peu près et voilà, c'est sorti. Ok, là vous ne voyez pas mais c'est tellement chaud, je vous jure que c'était chaud. Je sais pas si vous voyez une femme, mais bon, la buée sortir. Bon, non, je pense pas que vous voyez en fait. Donc c'est ça. Après que je l'ai fait bouillir, je vais venir enlever tous les produits. Regardez l'eau comment c'est jaune là. Okay? Je vais venir enlever tout l'excédent de produits qui est là-bas. Et après, je vais venir mettre encore un shampoing. Donc deuxième couche de shampoing. Ça c'est Oriane qui m'a donné ce truc là parce que en fait d'habitude je m'arrêtais après l'avoir bouilli, j'ai enlevé l'excédent de produit avec de l'eau.
Puis après, quelques jours plus tard, ma perruque devenait encore sec. Je ne comprenais pas. Mais là, Auréa m'a dit de le re-shampoigner. Puis je vous jure, les filles, ça marche. Merci Oriane. Donc c'est ça. Je le re-shampoigne. Puis après là, je viens le sécher à l'air libre. Ok, regardez. Quand je le dépose sur ma tête, je viens peigner le tout. Puis après là, vous voyez, si je ne l'avais pas peigné avant de le faire bouillir, j'aurais plein de nœuds comme ça. Et donc là, c'est pour ça que je vous dis de le peigner avant. Parce que là, maintenant, regardez comment ça se démêle hyper, hyper facilement. Donc, démêlez-le avant de le faire bouillir, ok? Ça, c'est un petit plus là. Donc là, je le laisse sécher comme ça. Regardez le nombre de cheveux que j'ai perdu. Voilà. Donc, je laisse sécher comme ça, puis à l'air libre. Hein. J'ai même pas mis de sèche-cheveux, rien. Et là, le lendemain, regardez. Je peux même sortir comme ça. C'est tellement beau, c'est tellement lisse, c'est tellement volumineux. Genre, waouh. Donc, voilà, le lendemain, ça a l'air de ça. Je viens peigner encore une fois, mettre de l'huile, blablabla. Donc, c'est cette huile-là que j'ai mis le olive oil. Donc, j'ai mis l'huile d'olive parce que je vais venir les friser. C'est ça. Je vous laisse regarder la vidéo parce que je parle trop. Donc là, je dis je vous laisse regarder la vidéo, mais je viens. Ok, bon. Je viens sécuriser ma perruque, séparer en section et friser le tout. Donc, c'est ça. Bon, ici en fait j'ai remis de l'huile parce que il n'y avait pas assez d'huile. J'ai pas mis de l'huile en bas en fait. Donc je l'ai juste remis une seule fois puis c'est tout en fait. Il faut pas abuser de l'huile. Il faut juste en mettre un peu. Et puis là je viens friser mes cheveux. Moi comment je frise mes cheveux, je pense que c'est juste parce que je tourne les cheveux autour du fer. Puis après là genre ça donne le résultat. Si vous voulez que le résultat tient bien, vous voyez comme parfois vous faites ça puis que après c'est loose. Si vous voulez que ça tient bien, il faut le garder un peu plus longtemps, tu vois. Moi j'essaie de tester avec mes doigts quand c'est chaud en arrière, puis je l'enlève. C'est tout ce que je fais vraiment. Comme celui-là, j'ai pas testé, j'ai enlevé comme ça puis regardez comment c'est loose. Donc faut vraiment comme genre laisser que ça soit bien chaud. Comme tu sais avec votre doigt, vous mettez votre doigt sur les cheveux, puis quand vous sentez que les cheveux sont chauds, là genre vous l'enlevez. Ici, les boucles sont vraiment popping. You know? Hey. Bon, quand j'arrive en avant de la tête, là où il y a le dentelle, là, donc en fait, j'ai fait mes boucles à l'envers. Donc, c'est-à-dire que je fais mes boucles de l'autre côté, de l'autre sens, en fait, pour avoir un effet genre dégagé, pour qu'on puisse voir ma face, en fait. C'est juste ça. Parce que sinon, si je le fais de la même façon que j'ai fait les autres, comme les boucles allaient rentrer dans mes yeux et tout ça, et... Moi, je suis pas trop. Regardez bien, vous voyez. Je fais les boucles à l'envers. Comme ça, les cheveux vont vers l'arrière. Les cheveux vont vers l'arrière. Comme ça, mes boucles sont genre... You know? Et là, on voit bien ma face. C'est ça! Par la suite, quand j'ai fini de dégager tous les cheveux,
Je viens prendre mon fer à friser, bien aplatir le milieu de la tête parce que personne ne veut une montagne sur la tête. Il faut bien aplatir le milieu de la tête pour avoir l'air bien, you know. Là, je vais prendre mon huile. Juste un instant. Voilà, je vais prendre l'huile là. Le Marocco Oil. Ok. Prends cette quantité. Et là. Je veux son sap. Dans la vie de tous les jours, j'aurais fait un baby hair. Pas dans la vie de tous les jours, mais quand même. J'aurais fait aussi un baby hair. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça qu'on redonne une vie à une perruque. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez en arrière. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre les pouces à l'air, commenter, partager avec vos amis qui ont des perruques qui sont décédées. Donc, on va les remettre en vie. Hein? Voilà, les perruques là, mortes, mortes là, sec. Donc, c'est ça, on va les remettre en vie. Et c'est ça, partager en grand nombre et tout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. Donc, c'est ça. On se dit à la prochaine. Bisous.